I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. Think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. That's when I do. I guess the truth is I can't leave memories behind. About you, I hesitate every time. Hello, j'espère que ça va chez vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc comme vous venez de le voir, j'ai pris mon petit déj. Donc tous les matins je me fais toujours mon éternel bowl cake pomme chocolat. Je m'en lasse pas, en plus c'est assez, enfin c'est vraiment consistant et c'est sain, donc c'est vraiment top comme petit déj, j'adore. Et au programme aujourd'hui, alors ce matin là je vais m'occuper du site d'une cliente. Ensuite je vais faire à manger parce que hier on a fait un repas, mais c'est un repas qu'il vaut mieux refaire le lendemain midi plutôt que de faire tout de suite 4 parts. Donc je vous montrerai cette petite recette. Ensuite en début d'après-midi j'ai une visio avec une amie entrepreneur, enfin je vous expliquerai de façon au fur et à mesure à chaque fois. J'ai une petite commande à préparer et ensuite je voulais aussi enfin décorer le dessus de mon bureau avec des illustrations que j'ai achetées. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce matin on va commencer avec le site d'une cliente. Donc je vous l'ai dit dans ma FAQ, la dernière vidéo que j'ai faite, mais je vous le redis ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Je reprends en fait la prestation de service, mais surtout pour créer des sites WordPress et aussi créer des espaces Notion sur mesure pour des business, pour des personnes qui ont envie d'un espace Notion pour leur business. Et donc là j'ai une cliente pour qui je crée un site. Donc j'ai déjà commencé à travailler dessus. Pour l'instant j'ai créé le site, mais vraiment le site WordPress de base sans rien avoir modifié. Je lui ai montré en fait une sélection de templates de sites qui pouvaient être sympas. Elle a choisi l'un d'eux et du coup maintenant la prochaine étape que je vais faire là ce matin, ça va être d'installer ce thème et de le modifier avec ses propres typographies, enfin ses polices et ses couleurs. Et comme ça une fois que ça sera fait, je pourrai créer les pages qu'elle souhaite et ensuite bah, elle aura plus qu'à m'envoyer son contenu, son texte et les photos qu'elle veut utiliser et j'aurai plus qu'à l'intégrer sur le site. Donc voilà, donc ce matin je vais m'occuper d'installer ce template. Je suis super contente de faire ça parce que j'avais déjà créé un site pour une cliente enfin début 2021, vraiment tout début en janvier 2021, et j'avais trouvé ça super cool. Après j'ai aussi créé mon propre site et je l'ai transformé en site e-commerce et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Je trouve qu'il y a à la fois un aspect technique et vraiment structuré, genre c'est vraiment une étape à la fois, mais en même temps il y a un côté créatif au moment où on installe le thème et qu'on commence à faire vraiment de la mise en page, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Bref, du coup je vais faire ça, et d'ailleurs j'ai installé une extension qui s'appelle Clockify qui permet de traquer son temps, et en fait à chaque fois que je travaille pour elle, et ben je lance le chrono en disant que c'est bien pour ce projet là, et comme ça à la fin de la prestation je vais pouvoir voir le temps que j'ai passé sur, sur ce site, donc c'est cool. Donc là je vais faire ça et je vais vous laisser avec moi qui travaille dessus en avance rapide. Je pense que ça sera sympa à voir et du coup on se retrouve juste après. Thank you.
faire. J'ai bien avancé sur le site. Et là, je vais faire à manger. Donc, je vais vous montrer ma petite recette hyper, hyper simple, mais super bonne. On prend une poêle et on va mettre de l'huile d'olive. Et ensuite, on prend des tomates cerises qu'on lave et qu'on coupe en deux et on met ça dans la poêle. Ensuite, on vient mettre un couvercle. Et le couvercle est important pour que ça fasse bien ce qu'on veut. Et du coup, on va laisser à feu moyen pendant 10 minutes. Et à côté de ça, vous pouvez cuire des pâtes. Donc moi, elles sont déjà cuites. Et donc vos pâtes, bah, vous les cuisez en même temps que les tomates. Et du coup, là, les tomates sont comme ça. Et vous allez voir ce que ça donne dans 10 minutes. Et voilà, donc ça c'est 10 minutes plus tard à couvert. Donc maintenant vous pouvez mettre vos pâtes, soit que vous venez de cuire, soit comme moi que vous aviez déjà cuit avant. Donc je vais rajouter les pâtes, je vais mélanger un peu et pendant ce temps là je vais couper ma mozzarella en petits carrés. Une fois que j'ai mis mes pâtes, je mélange bien et je vais venir mettre du sel et du poivre. Vous voyez, avec les tomates qui ont cuit à couvert, bah en fait ça fait vraiment une sauce. Et du coup il ne reste plus qu'à rajouter la mozza. Et là on mélange, mais pas trop longtemps, sinon après la mozza ça refroidit quand c'est dans l'assiette et ça devient un peu caoutchouteux. Donc faut juste mélanger un peu histoire de tout bien mélanger. Donc voilà ce que ça donne. Ça prend vraiment même pas 15 minutes en fait. Il y a vraiment 10 minutes de cuisson et après 5 minutes le temps de couper les tomates et de mélanger avec la mozza et tout. Donc c'est vraiment rapide et c'est super bon. C'est passé hyper vite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis le repas? Comme vous venez de voir, j'ai eu une visio avec une copine entrepreneur, c'était super sympa. Et en fait, on a discuté d'un projet qu'on va mettre en place ensemble, en fait une offre à deux. En fait, on a chacune une compétence particulière et ces deux compétences vont super bien ensemble. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait proposer une offre en étant à deux à faire cette offre, en fait, une offre en collaboration. Et du coup là c'est une première vidéo qu'on faisait pour parler de ça, donc c'est super cool comme projet et c'est, enfin ça me plaît vachement aussi parce que je vous en avais déjà parlé, mais des fois c'est un peu dur d'entreprendre toute seule et c'est vrai que c'est sympa d'avoir des projets qu'on fait avec d'autres personnes. Et du coup là c'est le cas, donc c'est la première fois que je vais travailler sur un projet vraiment en commun avec une autre personne, donc c'est trop bien. En plus avec cette copine entrepreneur on s'entend bien et tout, et je pense qu'on fonctionne un peu de la même façon, donc c'est cool. Et donc là il me reste deux choses que je voulais faire et vous montrer dans ce vlog. Comme je vous l'ai dit ce matin, je voulais déjà préparer une commande. En fait j'ai reçu une commande de ma soeur. Ça faisait super longtemps qu'elle voulait passer commande sur mon site, du coup elle l'a fait. Elle s'est acheté deux carnets de to-do list, je crois qu'il y en a un pour elle et peut-être l'autre pour quelqu'un d'autre, ou alors deux pour elle, je sais pas. Et un carnet de notes pour sa fille, parce que sa fille avait envie d'un carnet de notes. Et du coup je me suis éclatée, comme c'est une commande que je vais donner en main propre quand on ira dans le Nord, je me suis éclatée à lui faire un petit dessin sur l'enveloppe. Comme ça c'est un peu plus sympa, ça fait un peu comme un cadeau. Et du coup je vais m'occuper de préparer cette commande, donc avec trois carnets. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back, what would happen if I never found you. Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh how naive I was, I'm running to where my hope. Thank you.
C'est marrant parce que j'ai fait ça en regardant une vidéo de Lana Songe qui est aussi une boutique. Et du coup des fois elle préparait des commandes et moi j'étais en train de préparer des commandes et je vais vous filmer. Du coup ça fait un peu commandception. Je vais vous montrer les illustrations que j'ai pour décorer le dessus de mon bureau. Il y a Oli qui squatte ma fenêtre. D'ailleurs tout à l'heure elle a fait un truc trop drôle, elle s'est promenée avec nous. En fait on partait pour la promenade du midi, une petite promenade de 15 minutes qui fait une boucle. Et en fait elle nous a suivis tout le long, donc pendant 15 minutes. Elle promenait avec nous comme si c'était un chien qui nous suivait. Voilà tout ce que j'ai à accrocher. Donc je vais vous dire un peu d'où ça vient, je crois que je ne vous l'avais pas dit, je pense pas. Déjà en fait j'ai pris plusieurs choses sur la boutique de Lana Songe, donc c'est justement celle dont je regardais la vidéo à l'instant. Sur sa boutique j'ai pris 3 stickers, donc c'est pour mettre sur mon ordi, justement mon ordi qui est là. Dessus j'ai déjà 2 stickers qui datent d'il y a genre 3 ans, 2 ans, je sais plus. Et du coup là j'ai acheté ces 3 stickers là sur sa boutique. Ils sont beaucoup trop mignons, surtout la baleine elle est trop belle. Donc ça je collerai plus tard. Mais du coup là pour mettre en fait ici, au-dessus de mon ordinateur, vous voyez c'est vraiment vide. En plus il y a des traces qui étaient déjà là qu'on arrivait. Du coup j'ai ça, c'est une carte de vœux qu'on avait eue à la sœur de Valentin et elle avait commandé ça sur Etsy. Ici c'est une petite carte de remerciement de la boutique Amarion où j'ai acheté cette belle illustration de baleine. Donc Amarion c'est une fille qui fait des illustrations aussi. Ensuite ça c'est les 2 mots de remerciement de Lana, donc Lana Songe, qu'elle met dans ses commandes. Ensuite ça c'est quand j'ai commandé mon agenda chez Isadora et Marisa, il y avait cette carte avec. Ça c'est une illustration de Lana Songe, de sa nouvelle collection, très printanier. Une photo qu'on avait prise, il y avait un photomaton à un mariage. Et du coup avec Valentin on avait pris cette photo, je l'aime bien. Ensuite une autre illustration de Lana Songe avec des petits oiseaux. Encore une autre, ça c'est la baleine. En fait c'est un peu la même baleine que sur le stickers. Et c'est une illustration qui est plus grande. Et ça c'est Willow Candle & Co. qui a mis ça, c'est sa carte de remerciement. Et ça c'est les bougies comme celle-ci. Et en fait c'est une marque de bougies, donc c'est des bougies végétales, vegan, faites à la main en France, enfin c'est vraiment génial et elles sentent tellement bon. J'ai celle-là, Willow, donc c'est thé noir, orange et cannelle, et j'en ai une autre qui s'appelle Sorceress, et elle sent divinement bon, elle sent le gâteau. Bref, je vous mettrai le lien de cette boutique en barre d'infos parce que vraiment, déjà, c'est une super boutique parce que du coup, tout est fait main en France avec des ingrédients français, vegan, etc. Et en plus, ça sent vraiment bon. Et ça dure hyper longtemps, genre quand j'allume cette bougie, ça sent toute la journée. Et même le lendemain, après l'avoir éteinte, même le lendemain, ça sent encore, donc c'est trop bien. Et donc c'est de là que vient cette petite carte. Donc voilà, j'ai tout ça à accrocher ici. Donc je pense que ça va être sympa. Donc c'est parti pour accrocher tout ça. Hey, what it seem like ain't always what it be like. Peep it from a mile away whenever it don't seem right. That's why I do me like, I know you can see why. I'm a call to plays, I ain't waiting for a green light. Et voilà, j'ai fini de tout accrocher. C'est déjà plus habillé, on va dire moins vide, mais je trouve qu'il manque encore des illustrations. Celles-ci sont quand même assez petites par rapport au mur. Il n'y a que celle-là qui est vraiment grande. Du coup, il faudrait que je trouve d'autres illustrations à mettre un peu partout. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Et comme là, il y avait un gros vide, j'ai mis les stickers. Mais ouais, il faudrait que je trouve d'autres illustrations. Mais voilà, ça fait déjà plus habillé. C'est quand même plus sympa qu'avant. Trop contente parce que je viens de recevoir ma nouvelle plante de plante à box. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Le mois dernier, comme je vous avais dit, en fait Nicolas il passait à 3 plantes par mois. Donc à chaque fois une plante comestible, une plante d'intérieur tendance et une plante d'extérieur. Comme j'ai pas énormément de place non plus pour avoir des plantes à l'infini, je lui ai dit que ce mois-ci je préférais prendre qu'une seule plante. Et donc moi j'ai choisi celle-ci qui est l'Oxalis. Donc c'est la plante d'extérieur mais elle peut aussi aller en intérieur. Et si ça vous intéresse, la plante comestible
comestible de ce mois, c'est de la vanille. Et la plante tendance d'intérieur, c'est une Syngonium morito. Mais du coup, voilà pour la petite Oxalis que je viens de recevoir. Je suis super contente, elle est toute mignonne. Et c'est une plante que j'aime bien, que j'avais déjà vue. Et c'est une plante qu'on avait sur notre terrasse, dans notre maison, dans le nord. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a vraiment les feuilles qui bougent en journée. Je crois que c'est peut-être le soir ou le matin, je sais plus. Mais ça bouge et du coup, c'est super sympa. Et donc, comme d'habitude, j'ai eu le petit prospectus avec les explications. Et du coup, je vais aller la mettre dans mon bureau. Je vais lui trouver une petite place sur mon étagère. Et justement, cette semaine, je suis trop dégoûtée. J'ai ma bégonia qui est dead. C'était la petite plante que j'avais ici qui était rouge, que j'aimais trop. Je l'avais empotée il n'y a pas longtemps, elle était en pleine forme depuis que je l'avais empotée. Et je sais pas pourquoi d'un coup ça allait plus du tout et en fait elle est complètement morte, donc j'ai dû acheter. Mais du coup j'ai une nouvelle petite plante, une Oxalis qui est rouge aussi, donc ça complète mon étagère. Voilà mes petites plantes dans mon bureau, ma Monstera se porte toujours aussi bien. Je vous avais montré je crois la dernière fois qu'elle m'avait fait cette nouvelle feuille qui fait quand même 50 cm de haut. Et en fait juste après elle m'a fait encore deux feuilles, elle m'a fait celle-ci et celle-ci qui est grande aussi quand même. Moins grande que celle-là, mais quand même assez grande. Donc franchement, elle s'arrête plus, elle fait des pousses tout le temps. Et donc pour en revenir à Plantabox, comme je le disais, ce mois-ci, vous avez l'Oxalis, la vanille et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui finit par Morito. Et par exemple, j'avais eu celle-ci aussi les mois précédents, j'avais eu ce palmier et celle-ci qui est aussi une Monstera, même si on dirait un Pothos. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours mon code LittleCookie10 sur tout le site de Plantabox. Bon bah voilà, c'est la fin de cette journée, je vous ai montré tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était une journée plutôt sympa, surtout la visio, enfin c'est toujours plaisir de parler à d'autres personnes comme ça en visio, d'autres entrepreneurs. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez laisser des petits commentaires pour qu'on discute un peu et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !